Bonjour à toutes et à tous. La politique, toujours la politique. Les européennes, ça approche à grands pas. Ce sera pour dans quelques semaines. Maintenant, on le sait, c'est un scrutin qui ne passionne pas les foules, que ce soit au plan national, et encore moins, d'ailleurs, en Guadeloupe. Pourtant, il y a une campagne qui a commencé, notamment pour La République En Marche. On va recevoir le référent en Guadeloupe de La République En Marche, justement. Il s'appelle Maël Diza. Bonjour, Maël Diza. Bonjour. Alors, on a regardé un petit peu la liste. Les 30 premiers noms ont été donnés. Deux ultramarins, un réunionnais en 10e position, un martiniquais en 24e position, c'est ça. Je crois, la répartition, elle est bonne. Je vous poserai la question piège après. Oui, vous savez, il y a entre 20 et 25 sièges éligibles, comme on dit. Il y a 11 territoires ultramarins. Évidemment, tout le monde ne peut pas être représenté. Il y a un arbitrage qui a été fait. La Guadeloupe est plutôt bien représentée au niveau national. Nous avons le patron des députés ultramarins, Olivier Serva. Nous avons eu Laura Flessel, ministre. Nous avons Harry Chalus au Burex d'En Marche. Donc, les territoires comme la Martinique ou la Réunion sont plutôt, eux, démunis en termes de représentativité, notamment face au populisme qui monte dans leur territoire. Donc, il était arbitré de leur donner plus de moyens afin de pouvoir mener cette campagne de façon plus dynamique sur leur territoire. Il paraît que dans les tuyaux, il y avait quand même des négociations qui auraient pu permettre d'avoir un Guadeloupéen sur une position éligible. Bien sûr, nous sommes tous déçus. Moi, le premier, de ne pas avoir un Guadeloupéen pour être candidat en position éligible. Après, c'est des arbitrages. Et comme je disais, il y a beaucoup de territoires. Tout le monde ne peut pas être placé tout le temps, partout. Donc, il faut accepter. L'important, c'est qu'il y ait des ultramarins placés. La réforme a été beaucoup décriée, celle de supprimer la circonscription outre-mer. Au final, on se rend compte que sur l'ensemble des listes qui seront présentes, si on prend tous les candidats ultramarins sur ces différentes listes en position éligible, il y aura désormais plus d'ultramarins à l'Assemblée. Ça sera peut-être plus facile justement pour un ultramarin d'être élu désormais. Il y en aura plus, parce qu'a priori, on a 4-5, voilà. On n'en avait que 3. Et puis le sujet, c'est que tous les députés français européens doivent être sensibilisés à l'outre-mer. 3 députés ultramarins ne feront pas le travail de 79. Donc il faut que tout le monde ait ce réflexe ultramarin, ce sera le cas. Ouais. Justement, comment on explique aujourd'hui, pas cette aversion, on ne va pas dire aversion, ce manque d'intérêt pour ces élections européennes qui, on le voit, règne pourtant pour gérer notre quotidien? Oui, alors il y a des intérêts globaux pour la politique en général. Et en Guadeloupe, les élections européennes n'ont jamais vraiment... Ça, on peut le dire. Voilà. Après, il y a aussi il y a l'éloignement. Il y a déjà la place de la Guadeloupe dans la France, ensuite la place de la France dans l'Europe. C'est des sujets qui paraissent éloignés. Et c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer dans le quotidien et dans les différentes missions de l'Europe pour comprendre. Mais pour la Guadeloupe, c'est un enjeu capital. Le développement économique, la coopération régionale ou culturelle ne passe que par l'Europe, sans parler des fonds européens, évidemment. C'est un sujet primordial et nous serons mobilisés pour le faire comprendre et pour l'expliciter. La République En Marche, en Guadeloupe, est en ordre de bataille pour ces élections? Oui, la campagne est lancée. On vous entend peu quand même. Enfin, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de campagne qui est menée. La campagne est lancée officiellement depuis le 15 mars. Nous étions d'abord dans une phase de grand débat national où il était important de ne pas politiser les échanges pour que la population puisse de façon libre s'exprimer. Maintenant, c'est la phase de campagne. C'est une campagne qui sera plutôt courte, par définition. Et donc, nous serons mobilisés. Nos ultramarins sur la liste En Marche seront sur le territoire pendant cette période. Et nous ferons le job pour mobiliser, pour convaincre et pour faire en sorte que la liste En Marche gagne et ne pas laisser le populisme du Front National gagner. Vous avez commencé il y a quelques mois maintenant un grand tour de la Guadeloupe. Vous allez à la rencontre de la population. Ça se passe comment au sein de la République En Marche ? Plutôt bien. Ouais. Il y a forcément une première barrière à briser, puisque l'ambiance au général, nationale, n'est pas forcément... C'est pas la grande cote d'amour pour Emmanuel Macron en ce moment. Oui, mais les gens, il faut rentrer dans le fond. Une fois qu'on rentre dans le fond, c'est beaucoup plus simple. Effectivement, mais c'est une initiative très intéressante que nous avons entamée. Les gens répondent et nous continuerons à le faire. Le grand débat qui a été lancé, ça a accaparé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent. Pourquoi au final? Puisque certains disent, les mauvaises langues sans doute, que ce sont que ceux de la République En Marche qui ont été répondre aux questionnaires, que ce soit dans les mairies ou en ligne. Non, justement, pas du tout. Nous avons fait l'effort, justement, nous avons volontairement eu cette démarche de ne pas chercher à nous immiscer dans le grand débat de façon très dynamique. Moi, j'y ai participé à plusieurs reprises, notamment à Goyave, la ville de Goyave, et par son maire, Ferdinand Louisi, qui ont organisé de nombreux débats. J'ai dû en faire 2 ou 3. Et je peux dire que c'était vraiment la population locale, les Goyaviens, qui étaient présents. Et qui ont fait remonter leur doléance. Il va en ressortir quoi?
Écoutez, il y aura une restitution qui sera faite, je crois, courant avril, où l'ensemble des remontées seront compilées et puis une analyse sera faite. Et de cela seront tirées les conséquences sur la façon de réformer la France, sur les différents sujets qui étaient, pendant le grand débat, étudiés. Ouais. Les municipales, comment ça se prépare là, chez vous en ce moment? Alors, racontez-nous un peu, là. On a envie de savoir comment la petite cuisine se fait. Je sais que vous n'avez pas aimé le terme, mais bon. Non, mais c'est le sujet d'après, d'avoir les Européennes. Oh, c'est le sujet du jour. Oui, bien sûr, mais nous serons quand même d'abord mobilisés fortement sur les Européennes. Après, il y aura un processus classique de l'Institut avec les commissions nationales. Mais nous sommes en ordre de bataille. Nous avons des mouvements alliés en Guadeloupe. On pense à Guadeloupe Unie. Voilà, mais aussi au niveau des différentes structures communales. Je pense avec Ozabim, qui d'ailleurs, ce dimanche, qui est allié à La République En Marche, qui annoncera sa tête de liste. Donc nous serons présents au municipal avec nos alliés. Ouais, vous-même, vous irez? Moi, je suis abimien, donc... Ah ben non, alors... La République En Marche est allié avec Ozabim, qui annoncera dimanche la tête de liste. Non, je ne sais pas, vous serez sur la liste. Nous sommes pour l'instant, d'abord, l'important c'est le programme, c'est le projet, et puis c'est le leader. Donc ces étapes-là seront réglées dimanche, et puis ensuite on verra. Ouais. Y aura des candidats dans toutes les communes de Guadeloupe? Oui, pas de raison qu'il n'y en ait pas. Ouais, ouais. Et ça va se décider quand? Au fil des mois, on imagine? Il y a des tractations qui sont en cours? Oui, bon, la cuisine interne, comme vous disiez si bien... Fera son chemin au fur et à mesure. Nous sommes vraiment focalisés sur les européennes. Et puis, dès la fin des européennes, on commencera à regarder sérieusement les différents sujets, plus précisément. Ouais. Alors, comment aujourd'hui vous pourriez convaincre un téléspectateur d'aller voter pour les élections européennes? Parce que à chaque scrutin, on essaye justement de remobiliser. On sait qu'il y a beaucoup de spots télévisés, il y a beaucoup de spots à la radio, également beaucoup de communication dans la presse écrite. Finalement, ça ne prend pas. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens aujourd'hui pour les encourager à y aller? Je pense que le premier point est vraiment de comprendre l'intérêt de l'Europe au quotidien. Dans nos vies quotidiennes, l'Europe joue un rôle primordial. Alors, il y a un premier sujet, il y a l'intérêt de l'Europe, et aussi que cette élection européenne sera celle vraiment qui va marquer une certaine délimitation entre est-ce qu'on est du côté des extrêmes, qui font une campagne absolument nauséabonde, particulièrement en Guadeloupe, en utilisant des mensonges et des prétextes infâmes, ou est-ce qu'on est du côté des progressistes? Vous sentez que c'est en train de prendre en Guadeloupe le Rassemblement national? Ils ont une stratégie purement électoraliste d'aller prendre des voix dans des réservoirs qu'ils n'ont pas. Donc ils ont mis des ultramarins qu'ils ont cherchés un peu partout, des gens qui se prétendent d'avoir eu des fonctions qu'ils n'ont jamais eues, et donc ils rameutent sur ces territoires. Après, l'outre-mer, pour eux, n'est pas un sujet. Si vous arrivez à avoir une proposition pour l'outre-mer, judicieuse qu'ils ont faite, je voulais savoir, parce que pour le moment, on n'a rien vu passer. Donc c'est le principal adversaire de La République En Marche aujourd'hui, le Rassemblement national? De la France, de tous les partis politiques démocrates, on a tous le même adversaire. Les extrêmes n'ont jamais été bons, ne seront jamais bons pour notre pays, encore moins en ce moment. Ouais. Est-ce que Nathalie Loiseau, qui a été désignée tête de liste pour ces européennes, va se déplacer dans nos régions? Alors, là, c'est une campagne très courte, comme nous l'avons dit. Donc, il y a une trentaine de candidats. Nous préférerons avoir nos ultramarins. Ce seront eux qui sont en première ligne pour défendre nos ultramarins. Donc, nos candidats ultramarins seront présents. La tête de liste, probablement pas. Merci, Maëlle Dizard. Merci à vous. Très bonne fin de journée sur notre antenne. Et à très, très vite pour un nouveau numéro de Questions sans détour.